cette session s'est tenue vraiment sur trois points d'ordre du jour, donc à savoir le suivi des recommandations de la dernière réunion et le point d'exécution quand même, le point de suivi quand même des au niveau des différents offices et puis les divers comme d'habitude. Donc comme vous avez entendu, donc, nous avons quand même passé en revue et les points des recommandations et nous avons donné quand même le soin aux différents présentateurs de faire la présentation par rapport à la gestion de l'eau au niveau de leurs différents services. Donc c'est ce qui vient d'être fait. Donc les cas particuliers de ce mois d'avril, c'est que très généralement pendant le mois d'avril, les usagers ont de la difficulté, c'est-à-dire il s'agit des offices, ont des difficultés vraiment de respecter les consignes des gens, notamment l'office du chef, donc qui, quand même, la plupart très généralement respecté la cote écologique ou les niveaux, les débits écologiques, il y a des 40 mètres cubes par seconde. Mais, donc comme cette année, l'office du chef a demandé quand même l'accompagnement de la commission pour pouvoir faire une campagne spéciale de concession en augmentant les superficies. Donc cette augmentation de superficie ne pouvait pas se faire sans quand même garantir quand même la disponibilité de l'eau à travers quand même les barrages de Sénégué et les seuils de cours. Donc c'est pourquoi l'Office de développement rural de Sénégué a accepté quand même de fournir les sacrifices pour rabaisser les clavés jusqu'à la cote 328 dans un premier temps pour satisfaire les besoins de l'Office de l'hiver et au cours quand même du mois, des mois de mars et d'avril. Donc quand l'Office a senti que vraiment jusqu'à présent les besoins de l'Office de l'hiver n'étaient pas totalement satisfaits, nous avons accepté encore de rabaisser encore les clavés jusqu'à la cote 327-500 pour arriver à avoir au niveau de l'amont de tous les couloirs la cote 628 pour que vraiment l'Office de l'hiver puisse être satisfait. Donc c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et c'est cette situation qu'on a présentée aujourd'hui sous forme de groupe, donc quand même pour répondre aux exigences de la Commission.